Pour l'instant, on a encore ce temps-là. Moi, je pense honnêtement, avec la prise de position du World Economic Forum en anglais, du fait qu'on doit diminuer de 75% le nombre de voitures sur les routes dans le monde, avec le positionnement du ministre de l'Économie du Québec qui dit qu'on doit diminuer de 50% d'ici 2050 le nombre de voitures sur nos rues, je pense que pour l'instant, on a le luxe d'en discuter. Moi, mon avis, c'est qu'éventuellement, il y a un nouveau gouvernement qui va dire « on n'a plus le temps ».